Présentons Zone de tolérance, un outil qui s'adresse à un public de 13 à 18 ans. Il s'utilise en groupe avec un animateur. Élise va nous faire la présentation. L'outil se compose de trois zones au sol et de cartes d'affirmation. Pour plus de détails sur les affirmations elles-mêmes, vous pouvez consulter la fiche de l'outil. Les participants donnent leur avis en rejoignant une zone, puis expliquent leur choix. On a pu constater, surtout auprès des plus jeunes, qu'ils se saisissent assez facilement des espaces où ils peuvent s'affirmer et donner leur avis. L'animateur doit vraiment bien connaître les affirmations qu'il propose et s'être fait une liste de questions de relance pour pouvoir enrichir le débat. Vous allez voir que certaines affirmations font consensus, du type « faire une réputation à quelqu'un, franchement, ça se fait pas ». Bien entendu, l'intérêt est d'interroger ce consensus et de remettre du sens sur certains mots. Alors on va prendre un exemple, raconter aux autres les relations sexuelles qu'on a eues. Il peut y avoir un peu de provocation, mais quand même, la majorité des participants va rejoindre la zone « je n'accepte pas du tout ». Alors nous, notre rôle, bien sûr, c'est pas de dire « oui, c'est bien, non, c'est mal hein, », c'est pas l'objectif de l'outil. Le but, c'est vraiment que chacun puisse se faire sa propre opinion en fonction du débat. Ici, comme question de relance, vous avez par exemple « qu'est-ce que c'est raconter ? Est-ce que c'est tout dire ?» Et puis surtout, « à qui on raconte et dans quel but ?» L'outil est déclinable sur toute thématique, homophobie, consommation de drogue, et aussi à tous les publics. Mais pensez à bien adapter les situations que vous proposez. Vous l'avez compris, nos outils servent à ouvrir la discussion. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Grâce à vos questions, les participants pourront prendre du recul sur leur pratique. <t'en>